Pour 5 euros chez Tati. Oh, les choubidou funny girl. Ha ha, hi hi, ouhou. Oui, j'ai compris, ça va pas du tout. Hein. Bon, je suis allée encore faire des achats. Alors, tout d'abord, je suis allée chez BM. Vous connaissez BM? Vous savez, j'étais passée à la télé avec BM, genre, voilà, le sac BM. Et BM, j'avais acheté ceci, vous savez, vous vous rappelez ce petit sac là, petit chat, je le passe à la machine, c'est impeccable. Franchement, c'est impeccable. Et voilà, et ça fait un petit sac comme ça. Voilà, et ça vient de BM. Et vous le fermez, hein, j'ai pas envie de le fermer, mais voilà, vous le fermez. Alors, on y va. J'ai acheté ceci. Celui qui devine ce que c'est, il est trop fort. Je fais un gros bisou. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop, il n'y en a plus. Parce que. Ouais, bon, ouais, voilà. Mais c'est ça, mais. Voilà. Devinez. D'accord, j'ai payé 2,20 €. J'ai trouvé celle-ci. Alors, cette fois-ci, je suis trop contente. Je l'ai payée 2,49 €. Je suis trop, trop contente. C'est vraiment celle que je voulais. Et non celle de. Et non celle de. En plus, celle de Action, elle coûte 2,98 €. Elle est bizarre. Que là, c'est vraiment celle-là, qui est la rafraîchissante. Et j'ai payé 2,49 € chez BM. Voilà. Oh, c'est exactement ça. Je suis trop contente. Mais vraiment. Ouais, il ne faut pas se dire si c'est Made in Chine. Bref. De toute façon, maintenant, on va relocaliser. Le Premier ministre a dit, ah, le Premier ministre, il va nous faire un monde de bisounours, je vous le dis. Hein. Voilà, c'est exactement ça. Ça, voilà, ça, c'est du top, ça. Ça, c'est pour rafraîchir ma fille. Je lui mets sur elle, comme je faisais les autres années. Franchement, c'est génial. Et ça, une fois qu'il est mouillé, après, vous le remettez dans votre son petit emballage, surtout pour ne pas qu'il sèche. C'est pour ça que l'autre, je ne comprends pas. L'autre, c'est bizarre. Et puis, c'est cher. L'autre, il est cher. Hein. J'ai même vu des petites éponges comme ça à 1,99 € à ABM. Vous croyez que je vais y arriver? Attendez. Si, logiquement, si c'est comme ça se met comme ça, non? Allez, on tournicote, on tournicote. 2,45 €. Franchement. Et en plus, je vais vous faire. Ben, je vous mettrai le vlog et vous allez voir, le monsieur, il m'a reconnu. Un truc de fou avec le match, il m'a reconnu. Et en même temps, j'ai rencontré un de mes meilleurs amis. Comment ça va? Tu veux être sur le bloc, moi aussi? Ah oui? Voilà mon Bonjour. meilleur ami. Oui, c'est moi. Tu viens? Non, elle Non, veut elle, pas. est gna. Fred, mon meilleur ami, je l'adore. Franchement, on est trop contents. Regarde, on n'a plus de geste barrière, on s'en Allez, fout. pas de geste barrière, un bisou. On fait des bisous, mais on a une masse, donc on s'en fout. Ensuite, ça, oui, et j'ai craqué 1,40 €, 1,20 € qui ne claquerait pas. Alors, il y en avait 6, mais j'en ai donné 2 à ma meilleure amie, à Nadège. Et du coup, et ben, du coup je me retrouve avec 4 éponges, je trouve. 1,29 €, voilà la bêtise que j'ai fait. Ensuite, ça c'est BM. Maintenant c'est les soldes. Vous êtes prêts pour les soldes? Alors, j'étais à Tati. Eh oui, voilà, j'ai trouvé un nouveau déguisement pour 5 euros chez Tati. J'ai eu pour moins 70 %. Alors tout d'abord, j'ai acheté, je vais vous montrer la dernière fois. Non, il y en a plein qui n'ont pas vu. Mais pas grave. Je le ferai, voilà. J'ai acheté ceci, c'est un déguisement. Alors, il faut savoir que moi, je vais mettre un haut noir en dessous, sinon ça fait trop sexy. Et je vais mettre un caleçon noir. Tout est bradé en ce moment, moins 70 % chez Tati. Il faudrait être folle pour dépenser plus. Voilà, hein. Voilà, eh bien, ça, je l'ai payé 3,90 €, quelque chose comme ça. Au lieu de 10,99 €, regardez. Après, vous pouvez le transformer. Et ça, c'est super. Et vous allez voir, il est de bonne qualité. Hein. D'abord, il est super bien emballé. Mais moi, je l'ai enlevé. Par contre, moi, je fais de l'allergie, il faut que je le lave. Voilà, regardez. Et croyez-moi, la taille, c'est top. Hein. Mais voilà, je le range tout de suite parce que je fais de l'allergie. J'ai pas envie d'avoir d'asthme. Donc, du coup, allez, on le range. Mais vous avez vu? Mais je vous ferai un truc. Vous verrez. Mais je ne montrerai pas mes gambettes. Alors, après,
j'ai trouvé ceci. Bon, ça, je l'ai eu pour... c'est pas compliqué, le tout, j'en ai eu pour 11 euros. Alors ça, ben, en fait, c'est un truc à câble. Un truc à câble. Voilà, attendez. Alors, bien sûr, Sybille, la reine des pommes, tout le monde a réussi, sauf toi. Voilà. Et là, vous mettez vos câbles. Ici, vous mettez vos câbles. Franchement, ça m'est revenu à 80 centimes ou quelque chose comme ça. Voilà. Comme ça, vous mettez vos câbles ici et après, vous fermez. Vous fermez, voilà, et vous êtes tranquille. Les câbles ne courent plus. Et donc ça, c'est bien pratique. Ensuite, alors ça, moins 70%, je l'ai eu à 4, c'était 4,99, j'ai eu 70% dessus. Non, mais vous calculez, cette fois 4,28, ça fait 2,80 en moins, enfin, je l'ai eu à 2 euros, quoi. Même pas, regardez. Pour l'hiver, il est trop beau. Je me suis acheté, après tout, pour le, franchement, pour le prix, je me suis dit, c'est quoi ça? Attendez, c'est pas Tati. C'est Tati, mais alors on va... j'ai oublié mes lunettes. Alors on va pas... si, attendez, je vais mettre d'autres lunettes que vous connaissez pas. Que j'adore aussi. Aïe, voilà. Je les aime bien parce qu'elles sont en loupe d'orme. Alors, le chapeau, il était à 3,99. Bon, en fait, on n'en sait rien. Moins, en fait, j'en aurais eu pour 38,20 en tout. Et j'en ai eu pour 11,46 €. Regardez le chapeau. Ah ouais, super. Bravo, Sybille. Bon, allez, c'est pas grave. Allez, hop, tu vas. Je vous dis, ça, c'est parce que je reviens de la douche. Je peux pas faire autrement. Voilà. Oh, j'ai même pas eu pour 70 centimes, je m'en fous. Hein. Ensuite, je me suis dit, pour changer un peu mes chaussures, parce que bah, c'est pas compliqué, les chaussures, il y en a un peu ras la casquette. Et je veux pas changer de mettre des belles chaussures, puisque j'ai pas envie de les esquinter. Du coup, je me suis dit, bah, je vais me prendre ça, ça coûte 5 euros. C'est tout simple, on dirait, on est dans des chaussons, je vous dis que ça. Attendez, non, je ne vais pas faire parce que j'ai pas de culotte, alors je ne vais pas. J'ai des spécialistes, moi. Quand je suis à la maison, je ne mets pas de culotte, je suis en robe, mais... Bon, voilà. Eh bien, écoutez, ça, c'est très bien. Voilà, ça va remplacer les autres. 5 euros, moins 70%, 5 fois 7, 35, ça fait 3 euros, 1,50. Je les ai eus pour 1,50. Ensuite, là, c'est 1,99, la paire de chaussettes Etam. Très bien. Moi, franchement, que je trouve qu'elles sont très bien. J'ai pris comme ça et j'ai pris crème. Alors, 2 euros, 2 fois 5, 10, 1 euro. Non, 95 centimes, j'en ai dû en avoir chaque chaussette. Après, j'ai trouvé ce petit haut pour aller justement avec le costume que je vous ai montré. Voilà, alors il était à combien lui? Ben bravo, il était à 5 euros je crois. Il était à 5,50 euros. Alors, 5 euros, ça fait 5 x 7, 35, 3,50. J'ai dû en avoir pour 2,90 ce petit haut. Vous vous rendez compte? Après, je suis allée Darjeeling. Et vous savez bien que moi, j'achète beaucoup Darjeeling parce que moins 70%, franchement, j'hésite absolument pas quand c'est comme ça. J'hésite pas une seconde, mais vraiment pas une seconde. Et puis moi j'ai besoin de robes pour la maison parce que vous voyez celle-là j'en ai un petit peu marre. Et bien regardez celle-là comme elle est jolie. Elle est toute en coton, elle valait 45 euros. Elle valait combien? 42 euros, je l'ai eu à 12 euros. Regardez. Moi je profite toujours des moins 70%. Et franchement Darjeeling vous pouvez y aller haut la main. Je crois que c'est fabriqué au Pakistan ou quelque chose comme ça. Je vais vous dire ça. Ben, lunettes, je cherche mes lunettes, je les ai sur la tête. Alors, attendez. My name is Darjeeling. Bah, c'est fabriqué à Cachan. Made in France? Je le crois pas. C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai pas acheté un truc français. Je le crois pas. Conçu en France. Eh ben si. Made in France. Eh ben, dis donc, ben voilà pourquoi j'adore Darjeeling depuis des années. Je savais même pas que c'était français. Eh ben, parce que ça porte pas, hein, c'est un peu un nom hindou. Regardez ça, franchement, comme elle est jolie. Elle est trop belle. Je vais peut-être y retourner.
Demain, je vais sur les champs. S'il y a un Darjeeling, je vais le prendre. Regardez ça. Tous les ans, je fais ça. Tous les deux fois par an. Et j'ai, en rentrant, j'ai une copine qui a une boutique. Et elle allait fermer. Oh, s'il te plaît, montre-moi cette robe. Non, mais Sybille, j'ai faim. S'il te plaît. Elle dit, bon, allez, laquelle tu veux voir? Je lui dis, celle-là. Et non, mais regardez. C'est jus d'orange, ça s'appelle. Hein. Et en fait, bon, par contre, la taille est peut-être grande. Elles étaient à 19,90. Déjà, elles étaient soldées à 19,90. Et là, elle me l'a fait à 10 euros. 10 euros. Non, mais regardez ça. Franchement, 10 euros. Moi qui suis forte du bas, franchement, ça va me faire évaser. Moi, je suis sûre. Elle m'a dit non, ça va bien t'aller. Franchement, trop contente. Voilà. Mes achats. Et surtout, ne pas oublier... J'avais payé 1,20€. Alors j'ai sonné dans tous les magasins, je ne sais pas pourquoi, mais tous les magasins j'ai sonné. Alors, je suis désolée, je sonne, hein. Tant pis, hein. Je bipe. Voilà, ça, c'est éco-responsable. C'est les filets qu'on avait dans le temps. Eh bien, moi, j'en ai tout le temps dans le fond de mon sac. Et franchement, c'est génial. Je l'utilise tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et dans tout ce qu'il y avait, ce que vous avez vu là, de chez Tati, avec le costume et tout, tout était là-dedans. Je le ferai, voilà. J'ai acheté ce qu'à Tati, il y avait pas cher, c'est, en même temps c'est utile, parce que j'en avais pas par rapport à mes tenues. Je sais que c'est n'importe quoi. Voilà, alors, celle-ci, un petit coucou à Nicole Tonnel. Je les ai payées 2,40€, franchement, au lieu de 4,80€, franchement, je les trouve super jolies. Bien sûr, je les ai nettoyées parce que voilà, je désinfecte tout quand même. Voilà, regardez comment elles sont jolies. Je les ai trouvées super sympas pour le prix en plus. Mince. Et du coup, ben, pour 1,80€, celle-là, au lieu de 3,70€, je crois. Attendez, je fais... Le prix, c'était 3,99€. J'en ai eu pour 2€. Regardez, elles sont trop bien. Voilà, donc j'ai pris ça à Tati. Ceci, j'ai pas fait des choses bêtes, hein, parce que c'est des choses que j'ai besoin, hein, mais bon, voilà, c'était 20€, 19€, et en fait, je les ai payés que 10€, même pas, 9,50€. Vous vous rendez compte? Il y en a 24 dedans, et on va l'ouvrir. Vous savez que moi, je suis archi pas douée. Non, mais alors là, je vais jamais pouvoir l'ouvrir. Bon, on va l'ouvrir par le fond, puisqu'on peut pas l'ouvrir par le devant. Voilà, on trouve toujours une solution, hein. Alors, voilà, voilà, elles sont magnifiques. Regardez, c'est des gouttes un peu fluorescentes, elles sont trop belles. Donc vous avez, ben vous en avez combien? Après vous avez les trucs à part. Franchement, ça vaut le coup. Hein. Donc voilà, j'en ai que pour 9,50€ et elles sont vraiment très très jolies, regardez. Franchement, pour 10€, regardez comme elles sont super beaux. Franchement, je suis pas déçue du tout, hein, sincèrement. Si, hein, je sais pas si dans tous les tatis c'est comme ça, parce que le mien il va devenir Jiffy, je crois, et c'est pour ça. Après, j'ai trouvé une petite souris pour ma fille, mais j'attends toujours. Là, j'ai désinfecté ça, mais j'attends, je vais pas désinfecter ça, j'attends un petit peu de lui donner, parce que voilà, j'attends 3 heures et puis je lui donnerai. Ah, donc, il y aura la petite souris avec l'herbe à chat. Au lieu de 5€, je l'ai payé 2,50€. Et ça, ça fait un moment que je le lorgne, mais je dis, mince, je ne vais quand même pas payer ça 4,75€. Donc, j'ai payé ça 2,30€. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, ça, ce n'est pas du cordon. Et Ivy, elle mange des cordons. Justement, il faut que je voie un comportementaliste parce que ce n'est pas normal. Je vais vous montrer quelque chose, vous allez halluciner. Mais quand je vous dis vous allez halluciner, c'est que vous n'avez jamais vu ça. Je suis obligée, de toute façon, je vous ai dit que j'ai fait une vidéo, je suis en train de la faire, mais ça prend un temps pas possible. Voilà, regardez hier. Hier, j'ai retrouvé mes affaires. Voilà. Voilà, elle vit, elle croit que c'est des proies. Alors, elle me mange. Ah bon, bah celui-là, il est parfait. Mais celui-là, il est mangé. Donc, faut que... Et pareil, celle-là, je l'adore, mais pff, elle en a bouffé beaucoup. Hein. Sans ça, je ne suis pas contente. Hein. Regardez, la corde, regardez là. Et regardez là, regardez, elle mange les cordes. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Regardez tout ce qu'elle a mangé. Ça va qu'elle a été aux toilettes depuis. Voilà, mais quand même... moi, je comprends français, hein, voilà, la preuve, hein, moi, voilà, elle bouffe ça, moi, elle mange les trucs. Je ne sais pas pourquoi. Expliquez-moi si vous savez, mais
Donc je suis obligée de tout cacher. Parce que bah, elle était là cherchée. Elle était rangée comme ça, vous voyez. Elle était comme ça. Maintenant je l'ai mis sur un sac, mais là je ne peux plus parce qu'il faut que je la répare. Mais elle était rangée comme ça. Elle a été là chercher. Elle était comme ça. Et pareil, celui-là. Donc je suis obligée de tout ranger. Donc ça, eh ben, elle va jouer avec, ça lui fera comme une proie et elle ne pourra pas le manger. Et j'espère qu'elle ne va pas pouvoir manger ça, sinon je lui coupe ça. Hein. Mais bon, c'est fait exprès pour Charles, mais bon. Voilà. Et donc, je lui ai pris ces deux-là. Oh, elle est pourrie gâtée, la fille, hein, je vous le dis. Hein. Donc, ça, c'est à Tati. Encore un truc que j'ai acheté à Tati. Après, je suis passée par Emma. Alors, vous allez dire, c'est n'importe quoi. Mais c'est, en fait, moi, je mettrais un caleçon et un petit haut noir en dessous. Regardez. Je trouvais ça trop mignon, un costume. Voilà, je trouvais ça trop rigolo. Voilà, regardez, ne serait-ce que ça. Bah, du coup, je l'ai payé que 5 euros l'ensemble. Regardez. Je vais faire la vidéo. Je vais faire la vidéo comme ça. Bugs Bunny. Voilà. Et là, vous avez les petites manchettes. C'est trop rigolo, franchement. Franchement, c'est marrant. Je sais même pas comment ça se met. Comme ça, je pense. Là, vous avez les petites manchettes. Et là, vous avez le fameux haut. Qui est pas mal du tout. Hein. Regardez. Hop. Comme ça. Et en fait, c'est une petite jupette. Hein. Et franchement, je suis pas déçue. Hein. Ah oui, je vais rentrer dedans sans problème. Et je mettrai un... Si vous voulez, j'essaierai, mais je mettrai un caleçon. D'accord? Le haut, on s'en fout, mais je mettrai un caleçon. Ok? Hein, parce que moi, il est hors de question de me montrer comme ça. Mais avec un petit caleçon, je montrerai. Franchement, je trouve ça trop rigolo. Ceci. Voilà, mais en tout cas, voilà, moi, je suis très contente, honnêtement. Et c'est que du bonheur d'avoir eu ça pour rigoler, ne serait-ce que pour un Halloween, mais avec un caleçon, bien sûr, et avec un petit soupule noir en dessous, bien sûr. Il est hors de question que je mette un truc comme ça. Après, je suis allée chez Emma. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, enfin, je fais un haul. Je l'ai acheté, où c'est que j'ai acheté ça? C'est pour mettre le portable, ah, dans mon petit truc à Home Déco, c'est pour mettre le portable dessus, voilà. Le soir, je vais regarder la télé, je poserai mon portable comme ça, c'est impeccable dans ma chambre, je regarde beaucoup de vidéos dans ma chambre parce que ma télé en ce moment marche pas bien, moi j'en ai deux mais bon, alors non mais regardez ceci, je suis allée chez Emma, alors on va chez Emma j'ai acheté trois choses, tout d'abord j'ai acheté ceci, alors pourquoi, parce que Ivy elle a besoin de quelque chose qui n'est pas trop cru et qui est large parce qu'elle en fout partout. Donc, comme je ne veux plus lui donner des croquettes parce qu'elle a un petit peu constipé, et comme elle mange tous les cordons et tout ça, j'ai oublié, attendez. Comme elle mange les cordons et tout ça, bah attendez, on va rigoler, hein, on va le mettre, hein, tant qu'à faire. Hein. Allez, le ridicule ne tue pas. Et c'est Funny Girl, hein, sinon ce ne serait pas Funny Girl. Hein. Voilà, on peut le mettre comme ça ou alors on peut le mettre comme ça. C'est rigolo aussi comme ça. On va le mettre comme ça. Franchement, je suis pas déçue, sincèrement, le prix. Donc voilà, ben je l'ai payé 3,15. Et c'est exactement, c'est incroyable parce que c'est exactement ce que je cherche depuis des semaines et des semaines. Je regarde partout, des assiettes creuses, des assiettes, et je ne trouve pas. Et là, j'ai trouvé mon bonheur. Et en plus, il y a une petite moustache de chat. Et sincèrement, je suis trop contente. Je l'ai trouvé à Emma à 3,15. À Emma, je me suis fait plaisir. Honnêtement. L'asthme. Ras-le-bol de l'asthme. Alors, honnêtement, ceci, j'ai craqué. Bah oui, hein, regardez. Hein. Je l'ai payé 4,90. Et pourquoi je l'ai acheté? Parce que je vais le mettre dans mon sac à main. je vais prendre de la mentholine ou quoi là. Je vais attendre un peu. Alors, du coup, ben voilà. C'est parce que je fais de la poussière. Parce qu'il y a de la poussière. Voilà, c'est ça, il y a de la... j'ai dû remuer. Ah ben ça doit être ça. Je vais le laver à l'eau froide. Ça doit être ça. Et donc il faut que je lave. Parce que ça me fait de l'asthme. Alors, voilà. Cette petite trousse, je l'ai payée 4,90. Et pourquoi je l'ai prise? Parce que d'abord pour ça, bien sûr, par le feuillage. Mais parce qu'elle a deux compartiments.
C'est tellement rare. Hein. Et donc, du coup, là, je pourrais mettre du make-up. Je vais mettre le make-up. Hein. Et là aussi. Et je pourrais mettre du make-up là. Et là, je pourrais mettre ma carte d'identité. Parce qu'il faut savoir que maintenant, moi, je sors avec le moins d'affaires possible. Donc là, je vais mettre mon chéquier, ma carte d'identité. Et là, je vais mettre un peu de make-up, un petit miroir. Voilà. Et mon porte-monnaie avec mes cartes bleues. Voilà, avec mes cartes. Voilà. Donc, du coup, ça va être très pratique pour moi. Et bien sûr, j'avais besoin d'un stylo. Oh, mon Dieu, comment il est beau. Vous avez vu comment c'est désagréable d'être allergique. Voilà, c'est parce que j'ai ouvert le truc, il faut que je lave. Parce que, voilà. Regardez. Il est magnifique. Ça va être mon stylo. Je l'ai payé 5€ chez Emma. Il est sublime. Et du coup, lui, alors, attendez. Voilà, il se fait comme ça. Il s'ouvre comme ça. Et du coup, lui, eh ben, il va aller direct là. Avec mon chéquier, comme ceci, et ma carte bleue. Voilà, il va aller là. Donc, c'est pas inutile, c'est parce que je suis obligée maintenant d'acheter, de faire très attention par rapport à... Attendez, vous permettez, je vais aller... Parce que moi, je m'aperçois qu'à chaque fois qu'il y a des trucs que j'utilise, du tissu ou du machin, je fais des réactions tout de suite, ça me fait tousser. Donc, c'est pas grave, ce truc-là, je vais le nettoyer. Ça me gratte le nez, voilà, voilà c'est le truc de dingue. Je suis allée à la Fnac. Ah oui, et j'ai trouvé ceci. C'est un petit peu tout du coq à l'âne. Ceci, le magazine Elle, avec le édition. Alors, j'ai déjà tout désinfecté, hein, je ne vous cache pas, parce que moi, je ne le pose pas comme ça chez moi. Hein. Alors, bien sûr, c'est de la colle. Voilà. Hop, hop, hop. Ma meilleure amie, elle serait là, elle dirait, mais Sybille, mais arrête, t'as qu'à prendre ta ventoline. Même Pinkette, mamie Corinne aussi, qui est ma meilleure amie, elle me dirait la même chose. Bon, voilà, regardez. Je l'ai eu pour 2,40€ avec le magazine. C'est-à-dire que je l'ai eu pour 1,20€. Alors, il faut savoir que ça, c'est une très, très, très bonne crème, Topic Crème. Moi, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Attendez, voilà. Voilà. Et on va... Je vais vous montrer... Je ne sais pas si vous allez voir, mais ça brille. Hein. Regardez. Ouais, si, on voit. On voit les griffes aussi. Hein. Elles sentent bon. Franchement, moi, j'avais d'autres. Je l'avais eu déjà dans un magazine. Mais sans paillettes, sans strass, ça va être vraiment très bien. Bon, vous savez quoi? Je reviens. Ouais, je n'ai pas le choix. Attendez. Voilà. Alors, j'étais obligée. Je suis allée à la Fnac. Et à la Fnac, vous savez bien que moi, le développement personnel, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Donc, j'ai trouvé à la Fnac, si je retrouve mes lunettes, oui. Tout ça parce que c'est le vêtement, hein. Vous avez vu? Le vêtement, là, le déguisement, là. Ah, c'est ça, il doit y avoir quelque chose dedans, une matière, il faut que je le lave, ça ne va pas. Alors, le lâcher prise, j'en ai besoin en ce moment. Savoir abandonner ce qui n'a plus lieu d'être pour aller vers ce qui vient. Voilà l'un des aspects essentiels de la vie. Un des aspects essentiels de la vie. Le lâcher prise, je l'ai eu à la Fnac, développement personnel, pour 4,90€. Après, moi, vous savez que je suis très, comme je vous l'ai dit, j'ai besoin. Donc là, je dépasse mon sentiment d'insécurité. C'est des choses vraiment qui sont particulières pour moi. J'apprends à distinguer l'insécurité et le sentiment d'insécurité. Je me débarrasse de mes idées négatives et je redécouvre l'autre. Alors, vous avez des exercices. Décider son idéal de sécurité. Vous possédez les serrures de votre bonheur. Voici une des clés. Que vous pourriez faire? Que pourriez-vous faire? En fait, voilà, c'est plein d'exercices. Et là, nous avons aussi, ça c'est plus important pour moi, se libérer de ses peurs. Donc là, par contre, ils vous disent carrément, la peur est envahissante, elle invite sans prévenir dans vos pensées, vos paroles, vos rencontres et votre quotidien. Les peurs peuvent être à l'origine de tensions, blocages, échecs, sabotages et angoisses. Face à elles, on peut se sentir démuni, impuissant, honteux, coupable, nombreux sont ceux qui les esquivent. Exactement. Moi, j'esquive tout et j'occulte. Et du coup, les angoisses, moi, c'est plus les angoisses.
Est-ce la bonne solution? Ne serait-il pas plus efficace de prendre le problème à bras le corps, de regarder vos peurs bien en face pour les mettre progressivement en lumière et s'en débarrasser une bonne fois pour toutes? Ce petit cahier propose des solutions simples, directes et efficaces pour identifier nos peurs, les accepter et les dissoudre. Alors là, vous avez des gros exercices. Hein. Quel est l'animal le plus dangereux du monde pour moi? Pourquoi la peur est-elle contagieuse? Je me fais peur, donc je suis... Voilà. Tout ça, c'est une prise de conscience pour se rendre compte qu'effectivement qu'on a peur et pourquoi on a peur et comment vaincre la peur. Voilà, ce sont trois livres que je... Franchement, j'en ai eu pour 6,90 celui-là. Celui-là, 5,70. Et celui-là, 4,95. Voilà, j'ai tout ce que j'ai acheté, j'ai plus rien. Alors j'ai vraiment, j'ai déjà acheté pas mal de choses. Bon, je sais pas, j'ai eu un petit problème. Voilà, je voulais vous montrer la robe que j'ai achetée chez Darjeeling à moins 70%. Elle est trop belle, je l'adore. Elle est trop, trop clean, elle est trop jolie. Regardez. Franchement, j'adore. Alors, donc, ça a coupé. Donc, je suis allée à Yves Rocher, j'ai eu ce petit sac-là. Pour 3,50 €, franchement, ce petit sac, j'aime bien, mais il est vraiment super pour la plage ou même pour faire ses courses. Et j'ai eu la petite vanity, alors pour mettre ses produits solaires, c'est très bien. Ou alors un petit sac plastique et vous mettez votre maillot de bain si vous allez à la piscine. Voilà, tout simplement, pour vous baigner. Franchement, moi, soit vous mettez votre maillot de bain si vous allez à la piscine ou si vous voulez vous changer sur la plage, comme vous voulez, ou alors vous mettez vos produits solaires. Et voilà, et vous avez un petit sac sympa. Bien sûr, il a fallu que j'achète quelque chose, mais comme moi, je fais des allergies à Yves Rocher, mais pas au make-up. Donc j'ai trouvé, alors je ne sais pas si c'est, je l'ai eu à 5,50 au lieu de je ne sais pas combien. Alors soi-disant que c'est le cool noir, mais ce n'est pas un crayon noir comme d'habitude, hein. C'est le cool noir. Ah, c'est ça qui a sonné partout. Je sonnais partout. Ah ouais. Oh là, c'est quoi ça? Attendez, je découvre avec vous. Je ne sais absolument pas. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai tellement l'habitude d'avoir des crayons. Des... Voilà. Intelligent d'avoir fait ça. Il faut couper. Voilà. Ah ouais. Oh, il est génial. Il est tout fin. Il est génial. Donc ça, je l'ai eu pour 5,50. Et puis, j'ai pris un crayon que j'ai payé 2,50 €. C'était vraiment pour histoire de dire que j'ai acheté quelque chose pour avoir le sac. Parce que j'ai tout ce qu'il me faut. Et là, le crayon à lèvres, en général, il est pas mal. Alors, je vais vous montrer. Moi, je fais ça. Que ça me saoule de pendant 3 heures d'ouvrir, j'y arrive pas. Voilà, alors on va y arriver. Ah, déjà, j'aime pas l'odeur. Il est gras. Bon, j'aime pas l'odeur. J'aime pas. Ça, c'est après. J'aime pas du tout. Donc ça, c'est pas grave. Après, je suis allée dans ma petite boutique où j'ai l'habitude d'acheter mes boucles d'oreilles. Alors avant, ils les vendaient 1 €. Maintenant, ils les vendent par 2. Donc ça fait 2 €. Voilà. Comme ceci. Et j'ai été acheter pour 2 € une paire de boucles d'oreilles chez Six. Et regardez, je vais vous montrer. Voilà. Et maintenant... Ça, c'est un style. Alors, il n'y a que là qui le font, c'est le magazine parfois. Le magasin parfois. Là, je vais prendre ma boucle d'oreille comme ceci. D'accord. Et voyez là, ici, il y a un petit trou. Je vais aller la mettre dans le petit trou. Ce qui n'est pas mon cas. Tiens, en fait, est-ce que vous avez une idée pour me dire comment couper les griffes à Ivy? Ça m'arrangerait. Ceci, pour ne pas me couper l'oreille. Et là, maintenant, je fais ceci. Il y a bien la protection qui est là. Voilà. Et j'ai des boucles d'oreilles qui, normalement, étaient pour les oreilles percées. Eh bien, moi, je les ai tout simplement parce que je suis allée chez Parfois. Et j'ai acheté le petit pack comme ceci. Très peu de personnes sont au courant. Donc, ils en commandent très peu. Et moi, j'ai la chance d'en avoir tout le temps.
Mais honnêtement, il y a très peu de personnes qui connaissent ce système. Voilà. Et ça, c'est une astuce de malade. Comme ceci, vous allez chez Parfois et vous mettez, vous essayez bien pour voir si ça rentre dedans. Parce que comme je vous dis, toutes les boucles d'oreilles ne rentrent pas dedans. Mais celles de Six rentrent dedans. Et voilà. Voili, voilou. Bon, bah allez, sur ce, bye bye. Voili, voilou. Bye bye. Dites-moi si ça vous plaît. Et ciao, bye bye. Je suis une vraie pipelette.